compliqué, hein? Ouh là là! Bon, en route. Calvici, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche et c'est reparti pour une année. Déjà, pour commencer, sois pas mal poli. Déjà, je vous souhaite une très belle année 2018. Comme d'habitude, j'ai souvent un peu de retard, mais bon, apparemment, on peut le souhaiter jusqu'à fin janvier. Donc, je vous souhaite une très belle année 2018, plein de bonheur, plein de réussite, plein de belles choses. Mais je suis pas du genre à faire trop de blabla à ce sujet-là, donc on va vraiment passer à la vidéo. Comme vous avez dû le voir, j'ai été un petit peu absent entre mes vlogs, mon déménagement. Enfin bref, l'année 2017 aura été un peu merdique pour moi parce que entre ma séparation, mon emménagement, mon déménagement, aller chez ma mère, pas chez ma mère, enfin bref. Sur ma chaîne, vous allez voir peut-être certains changements ou pas, j'ai envie de dire ou pas. Mais il va y avoir plusieurs catégories où j'ai voulu changer un petit peu, donc il va y avoir du make-up. Il va y avoir des revues, il va y avoir des hauls, va y avoir un petit peu plus de décoration également. Et j'en ai marre de parler avec mes mains, j'ai l'impression de faire la météo, ça me gonfle. À partir de maintenant où vous regardez cette vidéo, il va y avoir 2 vidéos par semaine. Donc je vous dis tout de suite maintenant, clair, net, précis, tout ce que vous voulez. Va y avoir 2 vidéos, donc une le mercredi, ça ne bouge pas, à 18h, et une le dimanche à 18h également. Voilà, c'est 2 horaires fixes, tout simplement pourquoi? Parce que la journée, les gens ont autre chose à foutre que d'être sur YouTube. Donc je me suis dit, fin de journée, c'est très bien. Donc voilà, 2 vidéos par semaine, le mercredi, le dimanche à 18h. J'ai pas voulu commencer cette vidéo par un coup de gueule, mais il arrive. Voilà, le coup de gueule arrive. Donc c'est parti, let's go pour la vidéo! Comme le titre l'indique, n'est-ce pas? J'ai été chez Sephora m'acheter le masque Glam Glow. Comme vous le savez, c'est une marque que j'affectionne. Mais ils ont quand même des produits où je me dis, bon, Simone, tu t'emballes un peu. Comme le masque un peu avec des paillettes, je me suis dit, bon, ok, why not, c'est pas mal. Mais en réalité, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, hein. Le masque avec des paillettes, ok, les peel-off, c'est magique, c'est trop cool, c'est beau, c'est tout ce que tu veux. Mais en même temps, qu'on peut faire quelque chose de similaire, tu mets quelques paillettes et ça fait exactement un masque avec des paillettes. Et en plus, tu peux faire une photo Instagram. Trop cool! Voilà, j'ai fait ma photo Instagram, je suis content. Donc là, je me suis dit, je suis obligé de tester ça pour vous, mais en même temps pour moi un petit peu. Donc c'est un masque apparemment, un masque détox hebdomadaire qui rend la peau heureuse. Oui, en même temps, un masque heureux, moi je veux bien, mais si en gros j'ai mis ça sur ma face et en plus je suis heureux, écoutez, bon bref, en tout cas c'est un masque nettoyant, oxygénant, ça y est je commence à mal parler, ils vous disent qu'il est éclatant, oxygène, détoxifie, purifie, démaquille, voilà, en gros, il passe l'aspirateur, il vous fait à manger et il sort même votre chienne, franchement, c'est pas mal. A chaque fois que je fais un crash test, il y a le problème de la barre. Donc je pense que je vais couper comme ça, là, comme ça. Parce que là, ça sert à rien. Alors, le masque se compose. Ah, mais il est bien... Il est bien gorgé. Alors, on va dire le mode d'emploi. Dépliez le masque, humidifiez la peau. Appliquez le masque sur votre visage en ajustant sa position autour des yeux et du nez. Les microbulles d'oxygène commenceront à se former dès 60 secondes. Laissez agir pendant 3 minutes. Ouais, d'accord. En gros, c'est un truc de Fort Boyard, bordel. Alors, on se dépêche, let's go, let's go, let's go. Ah, ça sent très bon. Et il est hyper gorgé de produits, le truc. Ça y est, c'est la difficulté. Vite, 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 60 secondes. Go, 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 go. Ah, oh là. Attends, attends, ça mousse, ça mousse. Attends. Aïe, aïe. Attention, c'est parti. Alors, voilà. Alors, attendez, attendez, attendez. Parce que j'ai pas le miroir en face de moi. Attends. Attends, attends, attends. Un ciseau. Putain, j'ai pas pris de ciseau. Mais quel boulet. Alors, comme d'habitude, je vais au moins couper là. Voilà, au moins ça arrête de pendre. Hop. Attends, j'ai pas lissé. Attends, attends, attends. Bon, je pense que c'est suffisant. Hein. Laissez agir 3 minutes. 3 minutes, franchement, je crois que c'est l'un des premiers masques que je fais sur ma chaîne en mode 3 minutes, quoi. Voilà, c'est parti pour 3 minutes. Mais du coup, le temps que ça pose, je voulais vous montrer quelques produits en attendant, vu qu'on est un peu sur le côté un peu beauté, hein, n'est-ce pas? En ce moment, j'utilise pour me nettoyer le visage, et justement, c'est un peu en raccord avec le masque, mais ça, je ne vois pas faire ça tous les jours. Je pense qu'au bout d'un moment, vous n'avez plus de peau et plus d'argent sur le compte. La marque Estée Lauder m'avait envoyé l'Advanced Night Micro Cleansing Balm Baume Nettoyant. Et en fait, c'est vachement bien. Au début, j'étais un peu réticent à utiliser ce genre de produit. Et après, vous prélevez un petit peu de produit que vous émulsionnez légèrement sur votre visage sans forcément trop mouiller votre visage. Moi, j'émulsionne un petit peu 2-3 minutes et vous rincez et ça se transforme en lait. Et bah, honnêtement, depuis que j'utilise ça, j'ai la peau qui tire un peu moins en sortant de la douche.
Donc voilà, je me suis dit autant vous parler parce que ça fait énormément de mois que je vous ai pas fait de routine, de night routine, de morning routine, de mes favoris. Et bah là, les 2-3 produits que je vais vous montrer, c'est des produits vraiment valeur sûre. Donc certes, il y a un coût, mais moi en tout cas, ce produit là, bah en tout cas, j'en suis pas déçu. Et mes crèmes hydratantes du moment, ça, vous êtes nombreuses à me l'avoir demandé sur Snapchat quand je l'ai posté. En fait, la marque Clarins m'a envoyé 2 produits. Donc j'ai la crème douceur jour, donc c'est une crème hydratante pour le matin, et j'ai l'impression que c'est en train de tomber. Attendez, c'est en train de tomber. En fait, avec le poids de la mouche, je crois que ça s'affaisse un peu. Et je disais ça, je l'utilise le matin en complément avec le sérum. C'est un sérum multi-réparateur restructurant SOS peau sensible. Donc ça, moi, mon sérum, je le mets matin et soir, et la crème uniquement le matin. L'odeur de ce truc-là, si vous avez l'occasion, je vous mettrai les produits en barre d'infos, mais ça sent trop bon. Et ça, c'est ma routine du moment. Et je termine également par l'eau micellaire nettoyante bioderma purifiante. Et ça, généralement, je l'utilise vite fait avec un coton le matin, parce que je ne me nettoie pas le visage le matin. Mais voilà, avec un petit coton, j'utilise légèrement ça le matin, bim bim bim, et ensuite je mets mon sérum et ma crème hydratante. Voilà, je voulais juste vous faire une petite aparté sur ces produits-là, parce que c'est vraiment des produits que les marques m'ont envoyés gratuitement. Je ne suis pas payé pour vous dire ça, comme d'habitude, hein. Mais quand on voit des produits, généralement, j'essaye de les tester rapidement, ou des fois, ça peut prendre 2-3 mois. Et ça fait déjà au moins 3 semaines que je l'utilise. Enfin, les produits que je vous ai montrés, ça fait au moins 3 semaines. Bon, c'est parti, on va retirer cette chose particulière. Ah, il y a quand même pas mal de mousse, hein. Non, quand même, ça mousse, hein. Regardez. Franchement, faut être de mauvaise foi pour dire que ça mousse pas. Alors, ils disent, on retire. Oh, la libération. Et ensuite, on émulsionne. Ah oui. Ah oui. Je vais bien galérer à rincer tout ça. J'en ai dans le trou de nez. Voilà. Et vous voyez, avant j'avais rincé, le masque il est vraiment gorgé de produits. Bon, je vais rincer. Bon, écoutez, on se retrouve. Alors, forcément, je suis complètement décoiffé. Ça ne ressemble plus à rien. Ce qu'il faut vraiment que vous fassiez après, c'est hydrater à fond. Donc pour ça, je vais prendre la crème Clarins. Vraiment, et là, normalement, je vais jamais autant. Mais là, je suis obligé. Pour moi, c'est un masque sympa à faire parce que c'est fun. Après, est-ce que je vais le racheter? Je ne pense pas. Voilà, une fois, c'est bien. Je préfère faire mes masques habituels. Mais bon, c'est pas une déception, mais c'est pas non plus flagrant, quoi. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis dit, autant venir avec un petit crash test rapide, efficace. On se prend pas la tête. Je vais réussir à parler. Si je devais donner une note sur 10 à ce masque, je donnerais 6. On va pas non plus donner 10, hein. Non, 6 c'est pas mal, voilà. Vraiment, je ne suis pas déçu. En même temps, il n'y a pas de quoi non plus taper le cul par terre. C'est un masque, ça mousse, c'est drôle. Ça dure 3 minutes, donc c'est hyper rapide. C'est voilà, c'est fun. Bref, c'est fun pour faire une photo. Clairement, faut se dire les choses. Donc sur ce, je vous laisse, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne. Quand vous abonnez juste en dessous là, bim là, vous savez juste là, bim ou juste là, je ne sais jamais. Je vous laisse, je vous embrasse et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo à 18h. Donc sur ce, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous sur votre joujou. Et c'est pas fini.